Nous quittons Carlo Pedretti pour rencontrer un autre passionné. Son nom, Mario Taddei. Lui a contracté le virus très jeune, à l'âge de 14 ans. Aujourd'hui, il est chef d'entreprise. Au cœur de son activité, les écrits de Léonard. Tout se passe au sous-sol de cet immeuble milanais. On est où ici ? Ici, vous êtes dans les laboratoires de Leonardo III. Depuis 4 ans, on travaille sur les machines de Léonard. Les inventions de Léonard, une obsession pour Mario et ses collaborateurs. Leur préféré, la machine volante. Léonard avait un rêve, côtoyer les oiseaux. Il les a observés, disséqués. Et voici son projet final, reconstitué sur ordinateur. On dirait les ailes d'une chauve-souris. Léonard avait vu juste, à un détail près. Mécaniquement, elle fonctionne. Mais le problème, c'est qu'elle est trop lourde. Elle réagit comme une aile, mais c'est sûr, elle ne pourrait pas faire voler un homme. Léonard était un visionnaire, capable d'intuition géniale, couchée sur le papier, mais rarement construite. À l'image de ce char d'assaut. Révolutionnaire pour l'époque, il faut l'informatique pour le faire fonctionner. En trois dimensions, le génie de Léonard est encore plus convaincant. Et Mario s'en donne à cœur joie. Dernier exemple en date, il a construit cette machine. Les historiens l'appellent l'automobile. Un vrai mystère. C'est un mystère, parce qu'elle a été construite à de nombreuses reprises, mais elle n'a jamais fonctionné. Parmi toutes celles que vous voyez dans les musées, aucune ne fonctionne. Nous, on s'est rendu compte qu'il y avait dans ce codex une multitude d'indices qui permettaient de comprendre l'automobile. Par exemple ici, en fait, c'est une roulette. On la devine ici. Eh bien, cette roulette, on la retrouve exactement sur le schéma général. On a recueilli une trentaine d'indices et on a tout mis sur l'ordinateur. Sur les écrans, la trouvaille de Léonard. Une multitude d'engrenages entraînés par deux ressorts tendus. Vous avez sous les yeux la première voiture à friction. Et voici le prototype de la machine construit par Mario. Celle qu'on appelle l'automobile était en fait un accessoire de théâtre. Léonard faisait beaucoup de mise en scène pour le théâtre. Il avait imaginé des spectacles avec des poupées ambulantes. Cette machine leur permettait de se déplacer. Là, c'était la base du système et il mettait là les poupées. Une fois la mécanique remontée, il posait la poupée, tirait une ficelle et la machine partait. Cinq siècles plus tard, la machine reprend vie.